Roissy Charles de Gaulle, dimanche 23 mars 2014. Notre géant du ciel est caché par les passerelles d'embarquement. L'arrivée des hôtesses de l'air. À notre tour d'embarquer. Un petit coup d'œil sur le fuselage de l'appareil par les fenêtres de la passerelle d'embarquement. Dès l'arrivée à bord, on est impressionné par la largeur de la cabine du pont principal. Vue sur l'aile droite de l'appareil. À l'arrière de l'appareil, l'escalier qui mène au pont supérieur. Il y a également un autre escalier à l'avant de l'avion. Retour vers le pont principal, le plus important de l'appareil. Sur la largeur, la cabine comporte 10 fauteuils. 3 fauteuils, une allée, 4 fauteuils, une allée, 3 fauteuils. Le diamètre de l'appareil est de 7,14 m, sa longueur est de 73 m, et sa hauteur de 24,10 m. Les fauteuils situés le long des hublots disposent d'un espace important, chose que l'on ne rencontre pas sur les autres avions. Observez la taille du technicien par rapport à l'aile. L'envergure est de 79,80 m. Les réservoirs contiennent 310 000 litres de kérosène. Distance de décollage 2 km 750. Le pilote va sortir 2 crans de volée afin d'augmenter la portance au décollage. Breathe normally. Passengers seated at the emergency exit doors may be called upon. Thank you.
Are you Widow Shades of Jonah? Thank you. Madame Simpson, nous vous demandons de vérifier que votre ceinture de sécurité est bien attachée et que le volet de votre ouvrière est relevé. Merci. Les volets.
Depuis 11 heures, il nous reste 1h10 pour atteindre Singapour. Nous sommes à 11 000 mètres d'altitude et notre vitesse est de 863 km/h par rapport au sol. Du matin, heure locale, nous atterrissons à Singapour. À Paris, il est 23 heures. Nous avons volé durant 12 heures. Distance parcourue, environ 11 000 km.